Oh putain! OMG! Oh légendaire! Oh putain légendaire! mètres. Tu penses que pour la... Wouah, les cornes qu'il a, t'as pas, tu vois pas les cornes? Ça fait loin non pour la... Oh lui je vais l'avancer, je vais le... Putain, les facochères de merde. Je vais l'avancer tout doucement lui. Ah ouais, si j'arrive à le tuer, il faut que j'arrive à le tuer bien proprement hein, pour avoir le score max. Ah celui-là si je l'empaille, on va aller dans la loge pour essayer de le... Pour voir à quoi il ressemble. Putain, pitié Anna, dis-moi que le vent va pas me troller la dernière minute et tourner. Est-ce que tu peux vérifier le vent tout le temps et me dire si jamais il bouge? Parce que je vois directement tes notifications et au cas où j'y pense pas dans le feu de l'action. Au cas où, je vais préparer, avant de le tirer, je vais préparer une présentation de vidéo. Au cas où je le garde en vidéo ce moment-là. Oh, ça se réveille. Sans mettre, ça fait encore un peu loin. Hein. Il se lève. Je le tente à 100 mètres. On peut y remettre la troisième. C'est vrai, il tombe. Putain, j'ai pas pensé. Oh, j'espère que j'ai pas touché la tête. Diamant. Yes. Yes. Oh, regarde-moi ça, les cornes qu'il a. Oh, yes. Alors, la première... De côté, putain ouais, dans l'épaule. Dans l'épaule quoi. C'est pour ça, ça a pas passé l'os de l'épaule. Oh ouais, GG Anna. Putain. Merci de m'avoir fait venir ici quoi. C'est mon premier diamant en dehors des quêtes scénarisées. Mon premier animal diamant que je trouve dans la nature avec toi. Et le deuxième, oh le deuxième par contre, le deuxième coup il était beau avec la King. Ça va, j'ai pas touché la tête. Franchement, j'ai eu de la chance. Hein. C'est passé juste à côté de sa corne pour le taper de plein fouet sur le côté. T'as vu, la King, elle a traversé l'os de l'épaule, mais bon, je l'ai tiré de près. Mais écoutez les amis, pour vous qui regardez cette vidéo, j'avais pas prévu de garder cette vidéo là-bas, c'était juste une petite balade pour faire plaisir à Anna, mon amie allemande, qui est passionnée par la chasse et les armes à feu tout comme moi et du coup on est tombé sur cet animal là par hasard, un buffle du Cap. On est dans la zone
comment, de la réserve de chasse en Afrique, Virunga Savannah. Et honnêtement, on est tombé sur ce magnifique spécimen. J'espère que ça vous aura plu. Et on va se faire un plaisir et l'empailler. Paf! Oh, il me rapporte 1373. C'est exceptionnel. Ouais, la King est super efficace, j'avoue. J'avais du mal à y croire, mais c'est vrai que c'est à courte portée, c'est une super arme pour arrêter. Hein. Et encore, on met des balles blindées qui percent, mais du coup, je me demande avec des balles qui font expansive à 100% d'expansive d'expansivité. Oula. Non, ça va, c'est Springbok. Peut-être que je devrais mettre. Essayer de tenter quand même avec des balles expansives à courte portée. Hein, ouais. À longue distance, à 25-30 mètres, ouais, mais à 8 mètres, 10 mètres, 10 mètres, un truc comme ça, quand l'animal te charge, avoir des munitions expansives, là, la balle, elle serait rentrée dans le poumon. Vu les dégâts qu'elle aurait provoqués dans le poumon ou autre, peut-être qu'il serait resté sur place. Hein. Bon, en tout cas, c'était un superbe animal. Bah, écoutez, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette petite traque vous plaira avec en compagnie de Anna. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos sur The Hunter Call of the Wild dans la savane de Virunga. Ciao, ciao! Pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu si ça vous a plu.